لدو سانتوس ولعبها فعلا دو سانتوس لكن يلعبها لدو سانتوس ثاني حلوه هتاخدها تكمل ويلعب كره عرضيه باشا خطره خطره جول 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 متابعه متابعه حلوه هو ده هو زاد جزيري جمله تكتيكيه من اثنين لعيبه كلايتون ودو سانتوس اتعمل تسقيف طبعا كبير وفرحه بالهدف اللي المتابعه الحلوه اللي عملها زاد جزيري المتابعه الحلوه اللي عملها زاد جزيري بكوره صاروخ وكوره صعبه شو شايفها صعبه قوي كلايتون لكن شوف عملها ازاي كلايتون اللوك باست كره طوليه لمين لدو سانتوس دو سانتوس داس على الكوره واستناه وسلمها له تاني طب كلايتون بعد ما لعب الكوره عمل ايه رايح ولابسين الفانيلا الثانيه البديله فانيله التتويج دايما اي فريق بيوصل للنهائي طبعا لحظه حلوه لحظه الكاس لحظه الكاس بيرفعوا كاس تونس كره ازرق في كينشاسا ما حدث في كينشاسا بذكريات يا بوجا بذكريات يا بوجا ارسم ارسم اثنين رسمه باثنين الله الله على النصوص Berceau de l'humanité, berceau du continent africain, ayant connu une histoire épique avec notamment l'une des plus importantes civilisations de l'histoire, avec notamment Carthage et son célèbre stratège Hannibal, la Tunisie a surtout donné naissance au nom du continent africain. De nos jours, après avoir pris son indépendance de 1956, la Tunisie semble revenir au premier plan du continent africain, surtout après une période très difficile et une guerre civile qui a éclaté vers le début des années 2010. Mais la Tunisie, c'est aussi et surtout le football. L'équipe nationale tunisienne, les Aigles de Carthage, ont toujours été considérés comme une nation très importante pour le football africain, atteignant souvent le dernier carré des compétitions continentales. La Tunisie a une belle histoire footballistique, une histoire métique qui a commencé bien avant l'indépendance de la Tunisie, où plusieurs joueurs tunisiens ont décidé de s'allier pour créer une équipe afin de protester contre l'envahisseur français. Plus tard, l'équipe nationale tunisienne fut créée et se qualifiera même pour les Coupes d'Afrique des Nations 1963 et 1965, perdant même en finale face au Ghana lors de l'édition qu'elle organisait chez elle. Mais sans aucun doute, la première génération dorée du football tunisien a connu de très belles heures, notamment dans les années 70, où l'équipe nationale tunisienne va réussir à se qualifier pour la Coupe du Monde 1978 organisée en Argentine. La Tunisie, seul participant africain, va essayer de faire une très bonne performance, ce qu'elle réussira à réaliser avec notamment une première victoire, une victoire très importante pour tout le continent africain. En effet, la Tunisie va réussir à battre le Mexique. C'était la première victoire d'une équipe africaine lors d'une phase finale de Coupe du Monde. Une victoire face au Mexique qui sera historique et qui changera même le format de la compétition, où les équipes africaines passeront de 1 à 2. Malgré une élimination au premier tour, la Tunisie peut rentrer chez elle la tête haute. Coupe du Monde 1978. Nous sommes dans l'Argentine de la junte militaire et Videla est au pouvoir. Cette édition de la Coupe du Monde fera couler beaucoup d'encre, mais elle va surtout nous offrir la première victoire d'une équipe africaine dans le tournoi. Savez-vous qui est l'heureux élu? Et non, ce n'est ni le Maroc ou l'Égypte, c'est la Tunisie d'Abdelmadjid Chetali. Qualifiés à la surprise générale alors qu'ils avaient manqué la CAN 76, les Aigles de Carthage vont vivre leur moment de gloire en Argentine. Après s'être débarrassés de l'Égypte et du Nigeria en tour préliminaire, ils héritent de la Pologne, de l'Allemagne de l'Ouest championne du monde en titre, et du Mexique pour leur premier tour de phase finale de Coupe du Monde. Et c'est justement la sélection mexicaine qu'ils vont rencontrer à Rosario pour leur premier match du Mondial. Menée à la pause face à la tricolore, la Tunisie va livrer une deuxième mi-temps d'exception. Elle marque à trois reprises,
grâce à Ali Kaabi, Nedjib Gomid et Mokhtar Douyeb. La sélection tunisienne entre ainsi dans l'histoire en devenant la première équipe africaine à remporter une rencontre en Coupe du Monde. Hélas, cela ne suffira pas et la Tunisie est éliminée. L'honneur est pourtant sauf. Les joueurs de 78 resteront dans les livres d'histoire comme la première équipe à avoir débloqué le compteur de l'Afrique en Coupe du Monde. L'année 1978 restera à jamais marquée comme une année mythique du football tunisien, avec notamment une quatrième place acquise lors de la CAN 1978 organisée au Ghana. Cependant, après avoir connu des moments magiques, la Tunisie va connaître des moments très très difficiles, avec notamment une dizaine de non-qualifications à une Coupe d'Afrique de 12 ans, des moments très difficiles pour le football tunisien. Après une énième contre-performance et élimination au premier tour de la CAN 1994, la Tunisie va reconnaître un nouveau sursaut d'orgueil avec notamment cette CAN 1996 organisée en Afrique du Sud où les Aigles de Carthage vont réussir à se hisser jusqu'en finale de cette même compétition avec des victoires de marque face à la Côte d'Ivoire et au Gabon. La Tunisie était à ce moment-là définitivement de retour. Malgré une défaite face au pays organisateur lors de la CAN 1996, les Tunisiens reviennent en tant que héros de la nation. La Tunisie est définitivement de retour dans le cœur des supporters tunisiens. Malheureusement, la réussite va fuir les Aigles de Carthage avec notamment la CAN 1998 organisée au Burkina Faso. Une défaite terrible face au Burkinabé au tir au but. Mais malgré cette contre-performance, la Tunisie gagne en expérience et va même réussir à faire quelque chose de mieux lors de cette même année que 1998. L'autre bonne chose est bien évidemment la qualification pour le Mondial 98 organisé en France. En éliminant l'Égypte, la Tunisie réussit à atteindre la meilleure des compétitions internationales 20 ans après. Une énorme satisfaction pour le peuple tunisien. Malheureusement, 20 ans après, ce retour ne sera pas assez fructueux, avec notamment deux défaites face à l'Angleterre et face à la Colombie. Les Aigles de Carthage repartiront néanmoins du pays de l'Hexagone avec un match nul arraché face à la Roumanie qui avait terminé première de son groupe. Cette qualification à la Coupe du Monde permettra à la Tunisie d'acquérir encore plus l'expérience internationale. Lors de l'année 2000, l'équipe nationale tunisienne manque encore une fois un peu de réussite et termine quatrième de la Coupe d'Afrique des Nations 2000 organisée au Ghana et au Nigeria. Cependant, la donne va changer avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Cet homme se dénomme Henri Michel, champion d'Europe avec l'équipe de France. Le technicien français va apporter une nouvelle touche et un nouveau souffle à ce groupe tunisien. Le technicien français va réussir à aligner tactique plus mental, avec notamment une équipe nationale tunisienne qui a des joueurs qui arrivent petit à petit à maturation. Nous pensions bien évidemment à Hatem Travelsi, légende de son pays, qui a fait aussi les beaux jours de l'Ajax d'Amsterdam, une légende du football africain. Nous pouvons aussi ajouter Ziad Jaziri, attaquant de cette équipe nationale tunisienne, qui a notamment évolué du côté de l'Estac, qui était un élément très important pour le groupe. Nous avons aussi Dos Santos, le joueur brésilien naturalisé à l'équipe nationale tunisienne, lui qui aura apporté de bons et loyaux services. Nous avons aussi le binational Selim Ben Achour, joueur très important pour cette équipe, lui qui a évolué du côté du Paris Saint-Germain, qui était un excellent espoir du foot français, mais qui a décidé de choisir son pays d'origine. Sans oublier bien évidemment Ali Boumnijel, gardien emblématique et charismatique de cette équipe nationale tunisienne, peut-être l'un des meilleurs à son poste. En pays de football situé en Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte ont tous remporté au moins une fois la Coupe d'Afrique, mais la Tunisie, elle, reste bredouille avant que ne s'ouvre le 21e siècle.
Après son retour en Coupe du Monde 98, puis en 2002, la formation tunisienne s'est considérablement améliorée avec le temps, et cela tombe bien car la CAN approche à grands pas en 2004, et elle se déroulera chez elle, en Tunisie. Et grâce à des réalisations de Jaziri et Santos, l'essentiel est fait. Victoire 2 buts à 1 face au Rwanda. Et par la suite, Roger Lemaire fait complètement tourner son effectif lors du second match contre la République démocratique du Congo. Au coup d'envoi, pas de Santos ni de Jaziri, pas de Ben Achour évidemment puisqu'il est suspendu. Et malgré ce grand bouleversement, les Aigles de Carthage enregistrent leur plus large victoire de la compétition sur le score de 3 à 0. Dès le deuxième match, les voilà déjà qualifiés pour les quarts de finale, et ce avant leur troisième et dernier match de poule contre la Guinée qui se solde par un nul, un partout, après l'ouverture du revenant Ben Achour. Tout en maîtrise, la Tunisie a tranquillement géré sa phase de groupe et termine première sans encombre. Une première place qui aurait dû normalement leur assurer d'affronter un adversaire plutôt abordable en quart de finale, mais il n'en sera rien. ونلعب الحاجة ذيوف يعني كثرها يحب المخالفات في كل مكان وكورة في الجزاء لجزيري بالرأس الناري والهدف الأول والهدف الأول والهدف الأول الهدف الأول جوهر المناري المناري يا نارها المناري يا نارها 1-0 1-0 من جوهر المناري في 20 دقيقة هلل افرح 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 1-0 1-0 وما نقولكمش المشهد الفريق السنغالي واحتياطيه يهجموا على الحكم على بوسيم لا ادري لي فورم 1-0 pour le Nigeria. Lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie va se retrouver menée face au Nigeria grâce à un pénalty de Okocha. Cependant, le capitaine Badra va réussir à égaliser pour les Aigles de Carthage, un but partout. Le match se jouera donc au tir au but. Un partout à la fin du temps réglementaire, cette finale avant l'heure va se prolonger du côté de Rhades. Et les offensives des Nigérians redoublent d'intensité, mais le gardien tunisien Ali Boubniel sauve ses coéquipiers une fois, puis deux fois. Les hommes de Roger Lemaire tiennent bon, quel courage face aux assauts répétés des Nigérians. Fin de la prolongation, ce combat d'aigle se décidera lors de la séance de tir au but. Et encore une fois, Boubniel se montre décisif face à Odemwingie. Et le très jeune portier nigérian, Vincent Enyahama, ne pourra rien faire. Après le Sénégal en quart de finale, la Tunisie crée l'exploit et se qualifie pour sa finale. La finale entre la Tunisie et le Maroc, c'est la grande revanche du football maghrébin avec la complicité de Roger Lemaire et d'une kyrielle de joueurs qui évoluent, vous le savez, dans le championnat de France. À Tunis, véritablement sous pression, reportage de notre envoyé spécial Rodolphe Godin, commentaire de Fabien Lévesque. On va gagner, on va gagner, on va battre le Maroc. Comme une fête avant l'heure, la Tunisie prépare sa finale de Coupe d'Afrique des Nations. Tout un pays rêve d'un premier sacre continental demain face au Maroc. L'heure est donc à la mobilisation nationale. C'est pour la Tunisie cette année, la Coupe, elle va rester ici. Pourquoi ? On a la confiance pour toute notre équipe. Il y a beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, j'y pense. L'équipe y pense et c'est ce qu'elle peut apporter au public tunisien, même à la nation tout entière, aux citoyens tunisiens. En attendant le grand rendez-vous, les hommes de Roger Lemaire se préparent à proximité du stade de Rhades, l'enceinte où résonneront demain les espoirs de toute une nation. 60 000 personnes sont attendues, la pression du public, un élément qui comptera certainement dans la partie. Même que le public tunisien, ça a été déjà très fort contre le Nigeria, ce sera encore plus fort demain face au Maroc. Demain, tout le monde attend le sacre d'une équipe, mais aussi celui d'un homme. Roger Lemaire a oublié ses bleus à l'âme. Après l'Europe, il entretient désormais le rêve africain. متابعة حلوة هو زاد جزيري جملة تكتيكية من اثنين لعيبة كلايتون ودو سانتوس تعمل تسقيف طبعا كبير وفرحة بالهدف اللي المتابعة الحلوة اللي عملها زاد جزيري متابعة الحلوة اللي عملها زاد جزيري
Grâce à des buts de Dos Santos et de Djaziri, l'équipe nationale tunisienne va réussir à tenir tête et à tenir bon face à l'équipe nationale marocaine. Historique, la Tunisie remporte sa première CAN. كل ده موجود في الملعب هنا في ملعب رادس في اجمل فرحه تونسيه اللي ادوا اداء كويس ويستحقوا الفوز بالكاس النهارده لان من احسن الماتشات اللي لعبوها ولكن منتخب المغرب ادى اداء رائع رائع في البطوله ادى اداء ممتاز ما فيش كلام ولابسين الفانيلا الثانيه البديله فانيله التتويج دايما اي فريق بيوصل للنهائي طبعا لحظه الحلوه لحظه الكاس لحظه الكاس Il va participer à la Coupe des Confédérations 2005 organisée en Allemagne avec une victoire de 2-0 face à l'Australie grâce à un doublé de Santos, mais malheureusement avec des défaites 3-0 face à l'Allemagne et une défaite 2-1 face à l'Argentine, la Tunisie sera éliminée dès le premier tour. Mais cette belle génération se terminera en beauté avec notamment une qualification en huitième de finale et peut-être l'un des points noirs de cette nation et de son histoire. Suite à cet énorme succès et cette énorme génération, les Aigles de Carthage vont connaître un déclin assez inattendu avec notamment des défaites assez cruelles, que ce soit en quart de finale de CAN 2008 ou de CAN 2010. L'équipe nationale tunisienne va aussi notamment connaître des moments difficiles avec une non-qualification pour la Coupe du Monde 2010 avec une défaite au Mozambique qui privera les Aigles de Carthage d'une quatrième qualification à la Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui s'est disputée d'ailleurs en Afrique du Sud. Et pour couronner le tout, la Tunisie n'arrivera pas non plus à se qualifier pour la Coupe du Monde 2014, une défaite face au Cameroun de Samuel Eto'o. Le déclin était inévitable. La Tunisie va connaître une nouvelle belle époque dorée avec notamment cette CAN 2015 qui sera le début d'une nouvelle ère après deux échecs consécutifs avec une élimination en phase de poule en 2013 de la CAN organisée en Afrique du Sud et la non-qualification mondiale. La Tunisie va montrer son caractère et se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Afrique 2015 après notamment une victoire à l'arraché face à l'Ozambie qui sera le début de quelque chose de grand. Mais les Aigles de Carthage vont malheureusement se faire éliminer de manière cruelle avec l'un des plus gros scandales de l'histoire du football africain. Une défaite face à la Guinée équatoriale qui va malheureusement éliminer la Tunisie. Un arbitrage scandaleux qui va faire réagir toute la planète football. Là que la polémique va naître demain, bien les réactions tunisiennes par rapport à ce pénalty. Et puis la faute qui amène le coup franc. Alors là, en revanche, Patrick, vous êtes un peu plus... La faute Youssif, elle est moins scandaleuse, non? Ça peut vraiment se siffler. Le seul truc, si je suis mieux, c'est que le ballon a été reculé de 2-3 mètres et ça a facilité le tireur. Le match, je pense que c'était pas un match, c'était un vol tout simplement, on s'est fait voler aujourd'hui. On a tout, les joueurs ils ont tout donné, on n'a rien à se reprocher je pense. Peut-être sur la fin on a pété les plombs mais on a tout donné et un arbitre il a faussé la donne aujourd'hui et malheureusement la Tunisie s'est fait voler, toute la Tunisie. C'est en termes de positivité. Malgré ce coup de massue, la Tunisie va continuer sur sa belle lancée avec notamment une victoire de prestige face à l'Algérie lors de la CAN 2017. Dans le groupe de la mort, la Tunisie va réussir à se qualifier pour les quarts de finale avec deux victoires. Que ce soit face à l'Algérie ou le Zimbabwe, la Tunisie va montrer de très belles choses, même face au Sénégal malgré une défaite de 2-0. Goal! Goal! Goal!
الشباك عطانو يوسف المساكنة ساكن الشباك يوسف الفتاك يا سلام يا سلام avec la frappe de Bonsé. Après cette contre-performance à la Coupe d'Afrique et quelques mauvais résultats dans de certains matchs amicaux, le sélectionneur polonais Henryk Kasperczak, qui avait déjà entraîné les Aigles de Carthage auparavant, va être démis de ses fonctions. Il sera remplacé par Ali Mahloul. Malgré une grande impopularité, le technicien local va faire des merveilles et va réussir à qualifier son pays en Coupe du Monde. Qui participeront à la Coupe du Monde 2018. 27e au moment du tirage au sort, la Tunisie fera sa 5e apparition en Coupe du Monde sans jamais avoir pu dépasser la phase de groupe. Cela fait 12 ans que les Aigles de Carthage n'ont pas participé à une Coupe du Monde et c'est confiant qu'ils se rendent en Russie. Après un parcours qui a démarré sur une victoire face à la Mauritanie en 2015, ils ont assuré leur place en phase finale de la Coupe du Monde grâce à un match nul 0-0 contre la Libye. Je n'ai jamais senti une telle émotion, une telle nervosité, un tel stress que le match contre la Libye, parce que c'était le dernier match, c'était le match qualificatif. Et puis le problème, c'est que nous n'avions pas bien abordé surtout le début de la deuxième mi-temps, et les Libyens ont joué pratiquement leur meilleur match de l'année ou des 10 dernières années. Donc ça a été très difficile pour moi de gérer ce match-là, surtout sur le plan tactique. C'était très difficile de gérer ce genre de match-là parce que on savait pertinemment que tout le peuple tunisien attendait ce match-là, attendait un résultat positif. Le résultat a permis à la Tunisie d'obtenir le point dont elle avait besoin pour finir devant la République démocratique du Congo dans le groupe des qualifications africaines. Lors de son premier match face à l'Angleterre, réalisant une très bonne performance, la Tunisie va craquer dans les dernières secondes. Un but de Harry Kane va crucifier les Aigles de Carthage, eux qui tenaient de bon bout avec ce match nul. Ils s'inclineront ensuite dans la foulée 5-2 face à la Belgique, mais repartiront de la Russie avec une victoire face au Panama, une victoire en Coupe du Monde qui leur échappait depuis 1978. Après la Coupe d'Afrique, en 2019, sous l'ère de Alain Giresse, l'équipe nationale tunisienne va s'imposer face à Madagascar sur le score de 3-0, se qualifiant ainsi en demi-finale de la CAN 2019, 15 ans après la dernière fois où ils avaient réussi à atteindre le dernier carré de la compétition. Cependant, les Aigles de Carthage s'inclineront face au futur finaliste de la compétition, le Sénégal, après quelques actions litigieuses sur le score de 1-0. Dans la foulée, ils s'inclineront aussi dans la finale de la Coupe arabe 2021 organisée au Qatar, défaite 2-0 face au voisin algérien. Et il y aura aussi la CAN 2022 organisée au Cameroun, où les Aigles de Carthage vont faire bonne impression avec une victoire 1-0 face au grand favori qui était le Nigeria, avant une nouvelle fois de s'incliner face à sa bête noire, le Burkina Faso, en quart de finale de la compétition. Cependant, après cet échec, la Tunisie va se relever et va réussir à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 après une victoire 1-0 à l'extérieur face au Mali. Les Aigles de Carthage arrocheront une victoire de prestige, 1-0 face à la France grâce à un but de Wahbi Khazri, légende du foot tunisien. Mais malheureusement, encore une fois, la Tunisie va manquer le coche face à l'Australie, défaite 1-0. Qui va éliminer la Tunisie de la compétition après pourtant avoir fait match nul 0-0 face au Danemark. Non.
Malheureusement pour les Aigles de Carthage, la situation actuelle n'est pas aussi fructueuse et aussi positive qu'on le croit. Certes, la Tunisie a réussi à arracher 6 points lors de ses deux premiers matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026, une victoire écrasante face à Sao Tomé, principe 4-0 au stade international de Rhadès. Cependant, l'équipe nationale tunisienne va quand même gagner face au Malawi sur le score de 1-0 de manière très poussive et d'une manière très difficile. Mais ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que la fédération tunisienne était dans un bazar énorme. Et cela va se confirmer lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 organisée en Côte d'Ivoire. Et cette défaite face à la Namibie montre clairement tous les défauts du football tunisien actuellement. La Tunisie pourra compter sur ses points forts comme Aïss El Aïdouni, joueur de l'Union Berlin, milieu exceptionnel qui a marqué la Coupe du Monde. Nous avons aussi Elias Khairi, patron de milieu de terrain de Francfort, lui qui s'impose petit à petit en Allemagne. Nous avons aussi des talents comme Hanib El Mejbri qui est de côté du FC Séville, lui qui a joué à Man United. Nous avons aussi l'émir, l'infatigable Youssef M'Sekni, le phénomène tunisien qui continue à être là. Sans oublier d'autres promesses comme Achouri, qui est un ailier gauche virevoltant qui évolue du côté de Copenhague, lui qui a fait des merveilles en Champions League. Sans oublier d'autres joueurs importants comme Talbi, qui évolue du côté du FC Lorient et qui s'impose petit à petit dans cette charnière centrale tunisienne. Sans oublier Mrieh, deuxième capitaine de cette équipe, qui commence petit à petit à devenir un cadre de ce vestiaire. Nous pouvons aussi mentionner d'autres joueurs comme Naïm Siliti, qui a apporté énormément à cette sélection tunisienne. Cependant, l'équipe nationale tunisienne, après cette Coupe d'Afrique, n'a toujours pas de coach et a des problèmes, a de gros problèmes au niveau institutionnel. Le nouveau coach tunisien devra manœuvrer une grande révolution pour que la Tunisie revienne à son meilleur niveau. Dans un groupe composé de la Guinée équatoriale, de la Namibie, du Malawi, du Libéria, de Sao Tomé et Principe, la Tunisie a déjà 6 points, mais attention à la Guinée équatoriale, à la Namibie derrière. Bonne chance aux Aigles de Carthage pour retrouver leur meilleur niveau et merci d'avoir regardé cette vidéo.